Je m'appelle Julie Guignot. Je travaille sur une bactérie qui s'appelle Escherichia coli entéropathogène, les EPEC, qui sont des bactéries qui donnent des diarrhées chez les enfants, en particulier dans les pays en voie de développement. C'est une bactérie pour laquelle il n'y a actuellement pas de vaccin. Dans notre laboratoire, on n'essaie pas de trouver un vaccin, on essaye juste de comprendre quels sont les facteurs de virulence de cette bactérie et comment cette bactérie, lorsqu'elle rencontre la cellule intestinale de son hôte, va induire la maladie. Les Escherichia coli entéropathogènes ont une particularité, elles ont à la surface de la bactérie, qu'on peut dessiner comme ça, elles ont ce qu'on appelle une seringue moléculaire qui ressemble à ça, qui va permettre d'injecter directement un certain nombre de toxines dans la cellule. Donc cette fameuse seringue moléculaire, on la retrouve également à la surface d'autres bactéries pathogènes, en particulier Shigella, qui est une bactérie sur laquelle les autres membres du laboratoire travaillent, mais également à la surface de la bactérie qui est responsable de la peste. Shigella, c'est responsable de la dysenterie bacillaire. Et ces seringues moléculaires se ressemblent beaucoup, ce qui veut dire que quand on fait une grosse découverte sur cette seringue moléculaire, on peut dire que c'est probablement valable pour les autres bactéries qui ont cette seringue moléculaire. L'objectif, c'est juste d'essayer de comprendre comment les choses fonctionnent, comment la bactérie, lorsqu'elle est au contact de la cellule, va injecter. C'est-à-dire qu'une fois que tout a été injecté, on sait que ce qui est ici marqué en vert, qui est le filament, il va disparaître. On ne sait pas comment il disparaît. Nous, on pense que c'est parce qu'il est dégradé par une protéase. Et donc, l'expérience qu'on a menée, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il est dégradé. On peut tout à fait imaginer que cette protéase qui dégrade la seringue moléculaire pourrait être, entre guillemets, une façon de se débarrasser de ces bactéries qui ont ces seringues. C'est-à-dire que si on en met beaucoup, ça va peut-être dégrader toutes les seringues qui sont à la surface de cette bactérie. Et si elle n'a plus de seringues, elle ne peut plus rien injecter. Donc elle n'est plus méchante. Donc potentiellement, ça pourrait être une cible thérapeutique. Here, if you have a mixture of population, it's not the same thing, no? You know what I mean? You take the two fractions, the high molecular and the lower, and you do proteolysis, control proteolysis. Aujourd'hui, j'ai présenté donc les résultats que j'avais obtenus les 2-3 derniers mois. Il se trouve que justement en ce moment, j'ai pas mal de problèmes techniques sur mes expériences, qu'en plus ce sont des expériences plutôt de biochimie des protéines qui n'est pas mon domaine de prédilection, on va dire, alors que j'ai des collègues qui sont vraiment qui ont une formation, on va dire, de biochimie assez poussée. Donc c'est vraiment l'occasion pour moi d'avoir des retours et une aide. Aujourd'hui, quand on veut publier un article scientifique en biologie, on nous demande de plus en plus de détails moléculaires, c'est-à-dire on n'en est plus à regarder la bactérie dans sa globalité, on en est à regarder telle molécule qui va interagir avec telle autre. Donc ça passe par de la biologie structurelle, qui est déjà à la frontière entre la biologie et la chimie. Mais parfois, il faut aller encore plus loin que ça. Et le fait de travailler dans un environnement où physiciens, chimistes, biologistes sont mélangés et se côtoient facilement, il suffit de monter un étage pour avoir des réponses à certaines questions, favorise grandement l'évolution et l'avancée de nos projets de recherche.